C'est tout, c'est court, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tales of Berseria. J'espère que vous allez bien, France Terre, après avoir traversé l'océan. Enfin, pas du tout. Enfin, bref, on avait. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait. On était arrivé ici, on avait fini la zone où il y a eu la maladie, le machin, le truc. Enfin, bref. On s'était arrivé ici et je vous ai dit qu'on ferait la quête secondaire de pour la potion, je sais pas quoi, de truc. Donc c'est ce qu'on va faire. Il va y avoir beaucoup d'énigmes, je pense, parce que si on repasse par des endroits qu'on est déjà passé, bah ça va être un peu chiant. Du coup, je vais vous couper tout ça. Du coup, je vais ici et on va aller revoir le petit Videl. C'est très bizarre de dire ah non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est, je sais pas où c'est. C'est là, hein. Je crois que c'est là, ça doit être là, de toute façon on peut y aller que là, donc à mon avis c'est ici. Et ça me fait très bizarre de dire le en disant Videl, parce que Videl pour moi c'est la meuf de Gohan dans Dragon Ball, c'est tout. ça me perturbe énormément de prononcer Videl au masculin. Et je pense aussi que si on retourne le voir, on va se faire chier par les gardes, non? Est-ce que les gardes ou les exorcismes vont pas nous saouler un petit peu? Il y a des chances. Comme il y a des chances que ça soit pas du tout le cas, mais je sais pas. Là pour l'instant on passe tranquille. Et d'ailleurs, attends. Avant de lui parler, est-ce que je peux pas rentrer chez lui du coup? Si, je peux rentrer chez lui. Ah, c'est l'auberge. Ah d'accord. Ah. Ah donc t'habites dans une auberge, ok. Donc c'est la grosse décision. Je pensais que j'avais débloqué une zone et j'avais complètement oublié d'y aller tout à l'heure, au dernier épisode. J'ai dit tout à l'heure parce que j'ai tourné il y a à peine 2-3 heures là. Donc voilà. Wow, is that Long Dao's dust? That's one of the Omega Elixir ingredients. You found it. You really found it. Yeah. It's proof your research is right. Thanks. I've just managed to translate the description of the second ingredient. Here, take this and oh. What's wrong? Your face is red. Hey, you're burning up. It's fine. I'm pretty much always running a fever. That makes it even worse. We need to get you home so you can rest up. But I'm still translating the recipe. You heard me. All right. She's scary. Is she your sister or something, Laffy said? Well, it's kind of a long story. Oh, okay. Well, you seem to have a pretty complicated life. Do you think he's always that sick? Wouldn't surprise me. I was weak when I was a kid, too. He's probably been like this since he was born. That must be why his parents named him Videl. It means to live. Huh. I never thought about that. Luffy said is like that, too. It means one who lives. One who lives. And he wants to be an explorer when he grows up. I feel sorry for him. But if he drinks the Omega Elixir, I think he can get better. When he sets off on his adventures, will you let him aboard the Von Eltia, Aizen? I suppose I could cut him a deal. You'd charge him? I'm a pirate, kid. Comes with the territory. But I promise you, I won't charge him too much. I suppose that'll have to do. One who lives. I did not know that Lafayette's name had meaning behind it. Didn't mean much in the end. I poured my soul into getting him through, but he's still dead all the same. Hope. What a waste. You really think it was pointless? What else am I supposed to think? It won't bring him back. Ok, donc on a mis à jour la quête, du coup. C'est où? Ah! Alors, un petit souci va se poser à moi, je crois qu'on ne peut pas y retourner. C'est fort chiant. Attends, comment je pourrais faire? Est-ce que je peux pas me téléporter, genre? Attends. Carte du monde, destination, quitter. Ah non, je peux pas me TP. Hein. Je ne peux pas me TP comme ça. Je ne crois pas. On va retourner voir le bateau, mais à mon avis, on va pas pouvoir y aller. Ça me... Ah d'ailleurs, l'expédition est revenue, je crois. Quand j'ai relancé le jeu, c'était revenu. Et du coup, d'ailleurs j'ai pris un niveau pendant une ellipse au dernier épisode, je crois, donc voilà. Pour l'expédition. Hein. Et j'ai une nouvelle recette aussi, je crois, un truc comme ça.
Du coup, pour la quête, je crois qu'on va pas pouvoir la faire. Et ouais, justement, j'étais en train de me dire, mais ils l'ont dit, que ça se trouve, ils cherchent. Enfin, ils l'ont pas dit, mais ils cherchent l'élixir, peut-être pour lui, tu vois, pour pouvoir se soigner. Du coup, comment je fais, moi? Parce que. Ah non, mais non, je peux pas. Je peux pas y aller, je sais pas comment on peut faire. Bon bah tant pis, on ira dès qu'on pourra y retourner, mais là, je sais pas du tout comment on peut faire, mais alors pas du tout. On va passer ça sert à rien. Ok, on est reparti. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder sur internet pour savoir si les coffres de Minous comptaient dans les coffres en haut à gauche. Bon, c'est pas grave, on va parler au. C'était un pêcheur, je crois, au monsieur qui était censé nous filer des infos là pour la copine de Magello. Alors comment on redescend, je sais plus. Je sais plus, par là. Oui, c'est ça. C'est ça. Après à gauche. Après tout droit. Après à droite. Ouais, non, à mon avis, les coffres, c'est pas les coffres de Minouz. Je pense pas. Parce que sur la carte, il est affiché autrement. Donc à mon avis, il doit rester un coffre quelque part et je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas. Bon, attends. Parlons au monsieur là. Il est où? Il est là. It's become common practice to use Southgan lumber for shipbuilding, but there's a reason. Our trees really are the best for it. Natan trees only grow in Southgan. Their wood is light, tough, and doesn't rot. Perfect for shipbuilding. You know your stuff. Long ago, before people knew how to build seafaring vessels, Midgan and Southgan were separate countries. Then our ancestors fashioned rafts out of Natan logs and floated all the way to Midgan. A Midgan craftsman, amazed to see a humble raft cross the open sea, returned with our ancestors here to Southgand. He had used the natant logs to build a large, sturdy ship. Thanks to him, commerce took off between Midgand and Southgand, and the age of exploration began. The excitement of a new age had everyone floating on air, but within mere decades, Midgand declared war on Southgand. Ironically enough, it was ships made from trees from their islands that enemies used to invade them. The fighting continued for a long time, but in the end, Midgand emerged the victor. Our islands were occupied. As hard as things were, our ancestors still like to joke about it. They'd say, Age of Exploration, more like Age of Exploitation. When things were that bad, they could still joke about it? Southganders have always been a cheerful bunch. We tend to look for the silver lining in every cloud. It may not seem like it these days, but Southgan used to be a place where the laughter would never cease. Some people even used to call it Shenanigand. Shenanigand? This must have been a really fun place. Bah, c'est bien tout ça, mais tu me dis pas où est la copine de Magilou. Ça m'est pas très utile. Ah, attends, est-ce que j'ai pas une petite étoile quelque part? Ah, si, il y a une étoile en fait, donc il n'y a pas besoin de parler aux gens pour savoir où elle est. D'accord, on va chercher des infos, genre sans avoir besoin de parler aux gens, et ça c'est cool. Parce que j'ai pas envie de parler aux gens. Parce qu'ils ne disent rien d'intéressant. À part peut-être toi, parce que t'es un prêtre et que les prêtres, on se fout de leur gueule, ça c'est rigolo. La dernière fois, quand on était, je me souviens plus le nom de la ville. Oh, ici. Tac. Quand on était dans, je me souviens plus le nom de la ville, mais on était dans une zone et on disait qu'on avait buté plein de gens et tout. Enfin bref, c'était, c'est assez rigolo. Et le prêtre était en mode, oh! Voilà, c'est tout. Come, sinner, and repent your wicked deeds. Who? Me? I don't think I've done much that needs repenting. No, my son. You must be mistaken, for I can tell just from how you dress that a great many sins weigh heavily upon your heart. But it's not too late for you yet. You must confess your sins and repent. Yeah, I hear you, but I really can't think of anything. Have you ever wielded violence? No, all I wield are my swords. Well, have you hurt anybody with your swords? Yeah, but I haven't been able to land a killing blow yet. I've still got a long way to go, but the next time, I'll kill him. No, no, you have it all wrong. You must repent for how you've used your swords. Oh, I get it. I need to improve my cutting technique, right? That's not what I meant either. Ah, then what do you mean? It's a priest's job to guide the layman, right? You'll have to start speaking more clearly if you want anyone to trust your advice. Get your act together, man. Yes. I'll reflect upon the error of my ways. Wait, what? J'adore leur parler à eux, c'est hyper drôle! C'est hyper drôle!
Vas-y, dès qu'il y a des églises comme ça, enfin, c'est pas une église, ça, je crois pas. Ah si, en fait, c'est peut-être une église. Oui. S'il y a des zones comme ça, j'y vais et je. Voilà quoi, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Alors attends, il y avait des trucs là-bas. Bah oui, c'est là-bas, par contre, c'est. Non, c'est pas sur la plage, hein. J'arrivais pas à quitter le menu. Ouais, non, c'est là, c'est là. Je sais plus ce que ça. Ce que c'est... Ah putain, mais aussi, j'ai un truc à faire! Attends. Ah, mais il n'y en a pas ici. Ah, je voulais parler à un mec. Un mec avec l'espèce de logo de loup là. Pour pouvoir ramasser mes récompenses parce que j'ai tué quelques ennemis puissants. Mais voilà quoi. Ah bah bon, voilà, suffisait de parler. Hop. Merci. D'accord, est-ce que. Non, il n'y a pas de. Ah bah au pire. Attendez. Ah, les ennemis puissants, ça compte pas. Genre les ennemis qui apparaissent en fin de combat, ça ne compte pas, d'accord. Ok, j'allais dire comme ça, je vous montre, parce que c'est vrai qu'il y a, ça fait un moment déjà pour moi, mais et pour vous aussi normalement. Il y avait un monstre que j'avais affronté sans filmer, et je pensais qu'il allait avoir une cinématique juste après, il n'y en a pas eu, mais bref, j'avais pas réussi à vous le montrer. Et voilà quoi. Bon, j'ai vu qu'il y avait une personne à qui parler, hein. J'y vais juste après. Ah, mais le coffre, est-ce qu'il est prêt? Bah voilà! Bah voilà! Bah voilà! Voilà! Suffisait juste. De finir de bien fouiller comme il se doit. Voilà, c'est réglé. On est bon, on est bon, on est bon. Y a plus de coffre à ramasser. On parle à la madame qui, au monsieur qui est là, pardon, et on enchaîne. So, how do you like our island? Nice and laid back, right? It's quite a bit different from Logris. This place was even more relaxed before the opening. But recently, a lot of our young folk have gone starry-eyed about the city and left us in the lurch. It's still better than it was when the demons first started showing up. We have the Abbey to thank for that. And because people are traveling more now, the need for ships has skyrocketed. Our lumber industry is booming. In other words, when the money started flowing, people let it go to their heads? That and those exorcists and soldiers from the bigger cities, they really seemed sophisticated. People from the other islands wear different clothes and have things we don't, you know? Getting worked up and worked over by what's trendy. Is that foolishness not the very definition of youth? If this keeps up, our island's traditions will fade away. That's what worries me. I understand how you feel, but you have to give young people the freedom to be themselves. Bah voilà, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec la madame. Voilà. On s'en fout des traditions. Regarde, l'exemple tout con, en plus ça s'y prête bien. Vaiana, ils sont sur une île. Et s'ils avaient. Si Vaiana était restée sur l'île, ça aurait été la mort pour tout le monde. Tu vois, elle a pas respecté les traditions. Voilà, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. C'est bien, mais faut pas en abuser, tu vois. Alors, on a combien de temps? 13 minutes, on va sauvegarder. Hop. Tac. Enfin voilà quoi, moi les traditions, j'ai du mal avec ça. Hein. C'est un peu comme. Comme les. Genre les. Je sais plus ce que je voulais dire. Ok. Enfin les traditions, moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien quand tu les respectes pas, voilà. Enfin peut-être pas, ça dépend des circonstances et tout, mais. Faut pas être bro. Est-ce qu'on peut descendre? Faut pas rester bloqué sur les traditions si y a un problème. Enfin, voilà quoi. Après, ça dépend. Ça dépend. Alors, comment je descends pour aller voir les gamins là? Ça avait l'air intéressant. Tu vas me dire qu'il y a un derrière? Ouais, génial. Génial, génial. Bon, bah, je sais pas comment on accède en dessous là. À moins qu'on puisse sauter quelque part, mais j'ai pas l'impression. Non, je crois pas que ça soit accessible. Je ne crois pas. Alors. Là, je suis sûr que sa pote, elle va nous sauter dessus, c'est sûr. Still no leads on that grimoire, lady. Mogulu, when did you get that letter from her you mentioned? Hard to say. It must have been last year, a decade ago? Take this seriously or I'll feed you to the sharks. Oh, what? I think I'd at least rate a kraken. Keep this up and I swear I'll eat. It's them. The final preparations are complete.
Once you've assumed your new post, everyone will act on your command. Thank you, sister. But to be honest, I worry that these shoes I'm filling might just be a bit too big for me. You need not worry. You possess a special strength and quality that others lack. Shepherd Artorias has high hopes for your deployment to Palamedes. Fear not. Just be yourself and you'll do fine. Believe you're a leader, and you will be. Yes. I'll try to make you proud, sister. They're sending him to Palamedes? Is that the name of a facility on this island? I had better get going. Safe travels. Oh, one more thing. Be careful around the demon in Haria. It's stronger than it looks. We've even had some casualties. Understood. Also, if you must drink the water, remember to boil it. Sister... I know, I worry too much. But I just can't help myself. So, there's a demon in Haria. Sounds like it's a pretty feisty one, too. If so, it may prove useful. Still, what magical timing for Oscar to show up here at the very same hour we do! I understand your suspicion of me, but have you any proof? None, it's true. But as an exorcist, you're certainly sympathetic to the Abbey's cause. And soon, you may wish we were sympathetic. Eleanor hasn't been snitching on us. I'm sure of it. And how would you know? Are you watching her even when she's taking a bath? Huh? No, I don't. I always stay outside when she's taking a bath. And... Then isn't it possible she's communicating with the Abbey in secret while you're not there? You pledged to obey me until the day you die, correct? Yes, that I did. Remember, when you two trade blows, only the Abbey wins. One less demon, and one less traitor for them to worry about. While we're standing around here arguing, that demon could be attacking Grimoire! It's true. Let's find some more people to question around town. La batterie de ma manette a gâché toute la... a tout gâché. Voilà, ça a gâché toute l'ambiance. Qu'est-ce que je voulais dire à propos d'Eléonore? Ou alors c'était Teresa. Ouais, d'ailleurs, Teresa, je sens que... Elle va tirer les ficelles dans l'ombre un peu, tu vois. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais à mon avis, elle fait genre qu'elle veut faire attention à son frère et tout, mais pas du tout, c'est juste qu'elle veut le contrôler dans l'ombre ou il va y avoir un truc comme ça, c'est sûr. Alors attendez, avant d'aller tout là-bas, bah déjà il y a un texte. So ah ouais. What's it really like? Huh? The connection between Moloch and Vessel. Do you share like thoughts and feelings? Sort of. When I'm dwelling inside Eleanor, I can see what she sees and hear what she hears. But I can't read her thoughts or her emotions. Sitting in a box doesn't teach you how the box feels. I see. In that case, I want to give her as little time alone as possible. I don't want to bathe with her, all right? I know. You're a boy and all. For her baths, we can send Bienfu. No, that's a bad idea. It'll have to be Mogulu. Or myself. Phew!
What sort of boundaries have you and Eleanor drawn? How do you sleep? We talk before bed sometimes. But it's not like I'm sleeping by her side or anything. It's easier for me to tell when she wakes up if I'm dwelling inside her. Does she ever get out of bed at night? Not in my experience. And she sleeps so peacefully. Huh? When she's around you guys, she always looks so stern. But when she's sleeping, her expression is... softer, you could say. She lets her hair down, too. And I think it's kind of prettier that way. Huh. So that's what he likes. Well, keep an eye on her, but... But? Watch out for the older girls. Huh? Je suis la number one. Teresa and Oscar sure seem close. I've known them since I was an initiate, but I've never seen them quarrel. Not even once. Did you ever fight with your brother, Velvet? Yeah, I guess I did. Sometimes I'd chew him out, and he'd sulk and stop talking to me, but I found that adorable too. You did? No matter how much he dug in his heels, or tried to talk like he was in charge, after a while he'd be right there trailing along behind me. Like a little puppy dog. Puppies are a lot more obedient. I always had to keep an eye on him. Little brothers are odd creatures. Rokuro's a little brother. Is he adorable too? Huh? I don't think a little brother who's out to kill you is in any way adorable. But Shigure seemed like he was having fun. Sometimes you just don't make sense. Huh? I don't know. Little brothers. Do you have any siblings? I'm an only child. Well then, that's perfect. You pretend the boy is your little brother. Huh? That's a bit extreme, but actually, when I'm talking with Lafayette, sometimes I think, this is what having a brother must feel like. I could be Eleanor's brother. Don't take any of this nonsense seriously, Lafayette. Malakim are just tools to exorcists. She can never think of you as her brother. Oh, yeah. You're wrong. I've changed how I view Malakim. I know that's true because I can think of him as a brother. Right. She's all talk. Don't believe her. It seems to me like you're the one who's treating him as a tool, by forcing your own opinions upon him. Ooh, two sisters struggling for the affections of their brother. Eeny teeny candlestick, which one will the Muppet pick? How about an older brother instead? C'est qui Shigure? Je me souviens même plus. Je me souviens plus. Y a pas le nom des personnages quelque part? C'est pas Artorius hein, Shigure? Non, non, c'est pas lui. Je suis perdu moi dans les noms. J'ai déjà réussi à retenir plus ou moins les noms des personnages principaux, donc commencez pas à m'en rajouter là. Enfin, c'est même pas qu'on m'en rajoute parce que je sais. Enfin. Le nom me parle, donc je l'ai entendu quelque part, je sais plus qui est-ce que c'était. Je suis en train de réfléchir, mais impossible de me souvenir. Attends, alors avant de continuer, je voulais essayer de descendre, mais je ne crois que je vais pas pouvoir. Ah si, si, là. Là, j'ai pas descendre. Shigure, c'était... C'est pas le pirate? Non, non, je crois pas. Je sais plus. Je sais plus. Je réfléchis, mais impossible de me souvenir. C'est génial. Il manque un coffre. Alors le coffre, je pense qu'il est dans une maison. Enfin, sur le toit d'une maison encore. Il y a des chances. Parce que là, je ne le vois pas. Oh! La quête principale continue là-bas, non? Ce n'est pas une étoile. C'est quoi? Ah putain, c'est pour les cartes. Enfin, c'est un mini-jeu. C'est un mini-jeu... Est-ce que je peux escalader ça? Oh non! Oh non! J'avais trop envie de voir ce qu'il y a là-haut! Ça aurait pris 15 plombs, mais j'avais trop envie de savoir! Tac tac tac. Hop! Voilà. Bonjour, je peux vous faire peur? Ah non, c'est nul. Je pensais qu'ils allaient tous s'envoler, mais pas du tout. Bon, on va remonter, on va parler à tout le monde, on va avancer. Enfin, bref. Le coffre, on finira bien par tomber dessus au bout d'un moment. À propos de là, c'est la suite. On va plutôt genre aller dans l'auberge. Bonjour.
Il n'y a rien du tout. Bon, bah, ressort. Ressort, on va aller là-bas. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas une autre maison qu'on peut rentrer, mais j'ai pas l'impression. Oh, bah, le coffre est là. Au moins, ça c'est réglé. Alors, je peux parler à quelqu'un derrière, je crois. Oui, bonjour la petite dame. The people of Southgand originally worshipped Ominuch, the Empyrean of Water. The lives of the people of the Southern Isles are inherently tied to the sea. Whether it was gratitude for a good catch or an appeal for protection, everyone offered their prayers to Ominuch. But the Abbey worships Enomina, don't they? Do the people still keep their faith? Most of the people obey the will of the Abbey. But one small village deep in Southgand is a special case. The village is called Haria, and even now they keep their faith in Ominuch. They've even quarreled with the Abbey. I'm grateful that they fight off the demons. I really am. But do they have to dictate which gods we worship to? They think they do. It's their truth. Then again, they can't control what's in your heart, can they? Exactement. On ne peut pas museler les cœurs des gens. Sora l'a dit. Il le dit à chaque opus. Même dans le 1, à la fin du 1. Merde, on peut pas descendre par là. Même à la fin du 1, il dit le cœur peut-être se soumettre. Mais je sais plus quoi. Et voilà. Et c'était méga stylé quand il l'a dit. Voilà. Il dit il peut aller dans les ténèbres et parfois se soumettre, mais. Mais je garde la foi, je sais pas, je sais plus ce qu'il dit, mais c'est une scène relativement mythique, entre guillemets. Genre une scène, je peux y parler, pas mythique, si mythique. Enfin une scène, non c'est pas le terme que je cherche. C'est une scène connue quoi, enfin c'est une scène qui voilà quoi, je sais pas m'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un adulte ? L'éternelle question de la jeunesse. Have you ever heard of the ceremony of adulthood? It's a yearly tradition on this island. If I remember right, it's totally wild. Everyone throws bananas and porringes at each other. Traditionally, yes, but things have changed over the years. Bananas and porringes are a thing of the past. People are always reaching for bigger and better things, right? In this case, it's watermelons. Whole watermelons. You're throwing watermelons? That's gotta hurt. Trust me, I know, but watermelons are the least of our worries. Recently, people have started flinging coconuts. Coconuts? Those things are as hard as rocks! Trust me, I know. Like getting hit with a brick. Now, every year, there are some kids who never make it to adulthood. You don't mean they... Yeah, I've kept putting it off myself, but it looks like this year, I've got no choice but to participate. That's crazy. It's far too dangerous. And more importantly, how does it make someone an adult? There are ancient traditions that say overcoming danger marks a child's coming of age. Some people still cling to the old ways. You've hit the nail on the head. There are lots of old folks that sit around complaining how weak us darn kids are. The hypocrites. Back then, they used bananas and watermelons. They even cracked the watermelons ahead of time. I don't think cracking a coconut would help much either. So that's why you're standing about looking blue. I'm so ashamed of myself for being scared. If you don't want to do the ceremony, why not just skip it? I'd love to, but I don't really have a choice. I wouldn't be able to show my face around here if I chickened out. Having the courage to say no to something you don't feel is right. Isn't that the true mark of an adult? Wait. You're right! Now I can finally become an adult! Oh, yeah! Look how grown up I am! And getting carried away with yourself and acting the fool is the true mark of immaturity. Sorry, you're right. Ok, les traditions, c'est vraiment de la merde. Non, mais sérieux, il se jette des noix de coco et s'en a tué et il dit que ça a tué des gens. Des enfants du coup, mais c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi! Putain, heureusement qu'on est dans un jeu. Enfin, je dis ça, mais. Quand j'étais petit, j'ai vu un film où les gens ils. Et je crois que ça se passe encore. Enfin, c'était une histoire vraie, je crois. Enfin, je sais plus si le film c'était une histoire vraie, mais. Ce qui s'est passé, c'était vrai, et je crois que c'est toujours d'actualité dans certains pays.
Il y avait une tradition pour passer à l'âge adulte qui était de se mettre en slip et de s'allonger dans un nid de fourmis. C'est les fourmis canon, je sais pas quoi, enfin des fourmis, genre elles piquent. C'est comme si tu te prenais une balle de pistolet, la sensation, c'est un truc comme ça. Et tu devais t'allonger sur un nid qui te recouvre, et qui te recouvre entièrement. Enfin, what? C'est quoi ces trucs? Enfin, bref, ça, je suis pas sûr. C'est une info que je crois, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que j'ai entendu parler de ça, je sais plus où, et voilà quoi. Mais du coup, cette info n'est peut-être pas vraie. Et c'est peut-être aussi bien déformé ce que je vous ai dit, mais je sais plus. Doll? It looks like Bienfu. Ah, a keen eye you have, young man. That is a doll of the Empyrean Ominoch. That's Empyrean Ominoch? Yep, no doubt about it. I've seen her with my own eyes. Real dignified, but not without a bit of a temper. You saw her? Why was she angry? Well, the Abbey's banned any profession of the Ominochian faith in Southgand, despite her popularity. Gotta assume that's what got her all bent out of shape. I tried talking to her, but no matter what I said, she was just like, oh. Wait, that sounds like... And that low energy goddess you saw, the doll you've got here looks like her? Yeah, more or less. Ha! Fortune smiles upon thee, weary adventurers. That listless goddess is none other than Grim. Grimoire isn't human? When did I ever say she was? So, shopkeep, where'd you see her? I think it was down by McClear Beach. Pensively watching the tide come in? That's her, all right. Quickly, to the beach! Go, 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 go! Grimoire is a Moloch before now. You can't be too careful with that information. Spies, spies listening everywhere! Donc c'est où? Mais non, mais je vais pas devoir revenir en arrière pour parler aux gens, mais c'est une blague! Oh putain, j'ai la flemme. Non, vas-y, on ira tout à l'heure. Quand on viendra. J'espère qu'il y aura toujours les textes. En fait, ça me fait chier de revenir tout là-bas là pour parler à des gens qui viennent d'arriver. Ah, par contre. Ah, attends, je crois savoir où on est. Oui, je sais où on est. Parce que, alors, je l'ai pas fait, hein, mais il y avait une bêta du jeu, enfin une démo du jeu plutôt. Je sais plus avant qu'il sorte. C'était peut-être une bêta. Je sais plus. Enfin bref, il y avait un. On pouvait jouer quelques heures au jeu avant qu'il sorte. Et je crois que c'était payant, je sais plus en fait. Ou alors il fallait être sélectionné dans. Il y avait que quelques personnes qui pouvaient et il y avait une vidéo dessus. Et j'avais entrevu la vidéo, genre la vidéo durait je crois 20 minutes, un truc comme ça, mais j'ai juste zioté comme ça et je crois que c'était sur cette zone là. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est bien ici qu'il faut aller, ok. Voilà, c'est un petit détail mais qui a son importance, je trouve. Et... Ok, bon, bah, comme d'hab, on va snober tous les combats. Je vais fouiller, on va fouiller un petit peu pour essayer de choper les coffres, les machins, les trucs. Et puis voilà, quoi, je ferai des combats hors caméra pour peut-être le prochain épisode, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on fera ça au prochain épisode. Enfin, je pense pas que je prendrai de l'XP au prochain épisode. Parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de me faire chier à faire plein de combats dans tous les sens et tout, on fera ça plus tard. Même si à mon avis j'en ai clairement besoin parce que j'ai pas un niveau de fou, hein, je suis level 24. C'est pas la folie. Merde! Aizen il avait que 75. Attends. Tu vas pas me niquer, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Oh, déjà il y a un coffre de Minos, mais à mon avis je vais pas avoir assez d'âmes. Ok, j'en ai pas assez, ça fait 3 coffres que je loupe. Enfin que je peux aller rechercher je pense. Mais que je vais pas me faire chier à les rechercher si je repasse pas devant quoi. This grimoire who we're searching for is a Moloch like Bienfu, right? To be honest, I don't see how someone so different can be a Moloch just the same as Lafayette or Aizen. I understand your doubts. It's quite the tangly mess. I'll tell you anything. In that case, I've been wondering, what's underneath your hat? Oh no! Anything but that. So, we've hit a wall already. But that ribbon flaps around and gets in the way, right? Could I take it off for you? No! No! That's not possible! You mustn't remove the ribbon! Why not? That's another thing I can't say! It's all cans with you. All right,
Is there anything you can tell me? I could talk about what type of Malakim we are, or our position in the world of Malakim, or our abilities. Oh, I'd like to know all that. Then I will tell you. Listen closely. We Norman are a well-established race of Malakim. Compared to other Malakim, we aren't as adept at manipulating natural forces, but we excel at drawing out and heightening the abilities of others. Think of them as a convenient power-up. They're also known as common spirits. Don't even say that! We Norman hate being called that. Why is it so painful for you? Because it makes people think we're average and unremarkable. That's why we work so hard to show how we're all different. That does explain your quirky speaking mannerisms. Don't sweat it. That's a perfectly common thing to worry about. Don't say that! D'accord, tout à fait. Alors, l'expédition est rentrée. Que des défaites. Que des défaites, génial. Paysage merveilleux! Un tableau récupéré dans une épave à la dérive sur la mer d'Azraz. Pardon. Le paysage représente une tour de renaissance et un château dans le ciel, symbole d'unité entre le ciel et la terre. C'est bien. Oula, j'ai eu beaucoup de choses. Du coup, bah tu vas aller là. Hop. Ça changera un peu. J'ai eu des nouvelles choses. D'accord, bon. Continuons. Attends, on continue, mais pas trop. Voilà, on peut monter. T'excites pas, toi. T'excites pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Va juste y avoir un petit coffre. Et c'est tout. Un coffre nul, en plus, c'est sûr. Alors, pas de coffre, d'accord. Ok, donc c'est vraiment nul. Ah, si. Attends, ça part par là. Ah, ça monte encore. Ah, d'accord. Ah d'accord, ok. Et du coup, bon, il y a bien le coffre. Mais, ouais. Antipoison. Ça peut être intéressant. Ok, tout ça pour un coffre. On a fait beaucoup d'escalade pour que dalle. Enfin, beaucoup d'escalade. Voilà, mais c'est... Voilà. Encore heureux que c'est pas l'escalade de FF15. Hein, parce que quand tu montes un truc dans FF15, Noctis, il va à deux à l'heure. Il va de l'heure, c'est hyper chiant. Il y a de ces TPO, non, il avance tout doucement. Examinez. What are those penguins doing? Probably keeping their eggs warm. Most likely. They look like a mama and a papa. Penguins are monogamous, faithful creatures. They never leave their mate. Isn't that romantic? So they lay eggs because they're like husband and wife. But how do they make the eggs? That's... well... So, Luffy said, here's an interesting fact. A single penguin egg actually contains dozens of smaller orange eggs. Oh, so their eggs must be small and crunchy. Yep, they have the texture of caviar and the rich flavor of sea urchins. Interesting. So they're more like fish than birds. So you've eaten them. How cruel. Look how much they care about their young. While it may be a bit cruel, they taste amazing. They're considered a delicacy in some circles. Top a bowl of rice with these crunchy eggs and some rich penguin thigh meat, and you get a dish called family fricassee. That's a horrific name. I wasn't the one who named it, okay? Those eggs look tasty, but I think I'll pass. Non mais c'est Velvet qui dit ça, quoi. Non mais la meuf, elle bute tout le monde et... Elle bute tout le monde. Enfin voilà quoi, si elle est faux, elle bute des gens, tu vois. Alors et là, elle dit... c'est cruel. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je n'approuve pas ce message. Enfin si, j'approuve, mais pas de ta bouche. Genre ça aurait été une zen, ça m'aurait pas choqué. Ah, il y a un ennemi puissant. Ah, attends. Attends. Oh, toi, tu t'excites pas, toi. Faut que j'aille où là? Oh, mais what? Hey, il a pop devant moi le truc! Vous êtes level combien? 28. Ouais, je vais peut-être prendre de l'XP pour le prochain épisode, hein, comme ça on va pouvoir tracer un peu plus. Hein? Histoire qu'on se retrouve pas dans la galère. Enfin, tracer un peu plus, on fait que ça depuis tout à l'heure, mais. Genre, tracer dans le sens, on pourra.
Oula. On pourra genre éviter beaucoup de combats pendant longtemps, tu vois. Is that Grimoire? She's moving away. Bonjour. Tu n'as pas de d'allié, mais par contre, t'as 42 000 PV. Ça fait beaucoup, non? J'ai l'impression que ça fait beaucoup quand même. J'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup. Attends, on va mettre autre chose, on va mettre genre. Ouais, mais ça. Olek. Tac. Non, juste un big lizard demon. Is he friends with Dial? Oh, mais il y a quand même écrit démon sur son. Sur ses trucs. Il a l'air d'être super long à tuer. J'aurai besoin d'XP à mon avis. Je sais pas si je vais réussir à le buter déjà. Mais si j'y arrive, je vais aller prendre l'XP parce que si les, tous les combats vont commencer à être comme ça, on va pas s'en sortir. No mercy! Ah, c'est tout pété ce que t'as fait, Vegeta. Ça a fait 0 dégâts. T'en bouge pas, tac. Oula, oh, oh. Oh, nice. Ok, il est très long. Il est vraiment très long. Nice. A chaque fois, ça me redonne une âme ou je sais plus quoi. Du coup, c'est fort appréciable. The power. Crash Road. Ah, cette fois, ça m'aura pas donné. Ok, le mec, je l'enchaîne depuis tout à l'heure. Il est même pas 8 life. Bon, il est tout nul. Hein. Au moins, c'est ça. Normalement, on devrait pas mourir. J'aurais peut-être dû lancer le jeu en difficile en fait pour que ce soit plus intéressant. Parce que là c'est vrai que le jeu en fait finalement on a beau. Le mec est level 29, je suis level 24. Et je le défonce. C'est improbable. Ouais, il s'excite là. Attention, il s'est levé. Hein. Ok, mid life. On va y arriver. Hein. Finish. C'était plus stylé avec le petit bonhomme. Là, une tablette de chocolat, c'est pas ouf. Enfin, quand tu regardes que les ennemis de base, on leur fait des 500 de dégâts par coup. Là, on fait que du 75. À mon avis, c'est le boss aussi qui est résistant de base. Enfin, ils l'ont fait pour qu'il soit résistant. On manque quand même d'XP, je pense. On peut le faire facilement, mais voilà quoi. Je préfère quand même assurer les épisodes et qu'on soit pas obligé de s'arrêter à 30 minutes parce que j'ai pas assez d'XP. Que je vais pas XP pendant 2 heures pendant une vidéo. Finish. Tu l'as pas à finish. Allez, on est bientôt fini. On était pas si long que ça non plus hein, comme on l'enchaîne. Mais meurs. On voit même plus ta vie. Merci. Quand tu prends 2 levels contre un boss, à mon avis, c'est qu'il te manque des levels. Surtout dans le jeu. So she's the same sort of mog as Bianfu? You're Grimoire, right? We've been looking for you. We need your help. Who are you? I'm Velvet. I know your witch friend. Oh. Grim, so wonderful to see you. It's been forever! Ah, you two. Still as outlandish a pair as ever, I see. How exactly do you know her? Witch training. She was an upperclassman. And? We found this fascinating ancient tome and we were hoping you could read it for us. Goodness, Magilu. You, of all people, joining a team? I didn't know you had it in you. That keep me entertained. Well, I don't need entertainment. Bien! Come on, Grim! Isn't there any way you can help us?
It's not the kind of thing I do. Oh, what a shame. Things happen. Well, we tried, didn't we? Maybe you need some incentivizing. Do it. I'm serious. I bet you are. Your eyes tell me you're dangerous. Trouble follows you like a hawk tails a rabbit. And at my age, trouble is something I'd rather avoid. How old are you? Ask me again and you'll get a firework in the tush. My apologies. It appears we've wasted our time. A walk on the beach is never wasted, but sorry. Well, how did you learn to read the ancient tongue? Are there books for studying it or something? My, my. Are you actually thinking of learning it on your own? Well, I love reading, and I want to learn more about history. Besides, we need what's in this book. You have passion, child. I'll give you that. Not to mention you want to be helpful to Velvet, don't you, kid? Yeah. My tuition isn't cheap, you know. You will teach me? No, I won't. But I admire your dedication enough to read it for you. Now where's this book? Here it is, ma'am. You needn't be so formal. Yes, ma'am. Not ma'am. Right. Let's see what we're looking at here. The language of ancient Averrost. Had to be the hard one, of course. A lot of wear and tear, too. This'll take some time. We're in a hurry. That may well be, but this isn't the place for study. Let's move to someplace more comfortable. You've redeemed yourself, young man. There's a village called Haria just a little ways away. That works. Thank you. Fine. Haria Village. Whatever gets the job done. On peut pas revenir sur nos pas? Haria, isn't that the village with that demon that Oscar and Teresa were talking about? I think it might be. We should remain on our guard. Ouais, non, on va le déchirer, le démon comme la ville. Alors par contre, j'aimerais bien m'arrêter. Parce que je viens de capter qu'on est déjà bientôt à 50 minutes de vidéo. Et je crois que j'ai pas fait d'ellipse, donc on va... Ouais, bah on va revenir en arrière. J'ai pas vu le temps, mais alors pas du tout. J'ai... Non mais toi, viens pas me saouler là. Non mais oh. Vous êtes malade. Ouais, on va revenir en arrière donc pour s'arrêter parce que... L'épisode est beaucoup trop long. Va être beaucoup trop long. Le texte, normalement il devrait pas disparaître, j'espère. Il n'y a pas intérêt, sinon je pète une crise. Oh non! Mais c'est une blague! Bon, bah les gens, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Du coup, je vais pas prendre d'XP hors caméra. Quoique si... je sais pas. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aura plu. Prochain épisode, du coup, on continue. Je vais enchaîner. Enfin, j'avais prévu d'enchaîner, mais ce qui me fait chier, c'est que... J'aurais bien aimé prendre 2 XP entre les deux épisodes, mais je vais pas pouvoir... Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va plu. Prochain épisode, on finit de traverser cette plage qui n'a pas l'air bien grande. Hein. Je crois que là-bas, ça serait bon. Et on affrontera le boss, on va lancer les textes, les machins. Voilà. J'espère que ça vous a plu, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!